Cyril, on reste du côté des plateformes avec un nouveau service de vidéo à la demande qui fait son apparition en France. Je vous parle ce matin de la naissance de Guerre et Histoire TV. Alors ok, on est loin de l'imaginaire de Disney, mais si vous êtes amateur de ce genre, vous allez être servi. À l'origine, Guerre et Histoire, c'est un bimestriel du groupe Reworld Media qui se vend à 200 000 exemplaires. Et ça va donc devenir une offre de vidéo à la demande vendue 4,99€ par mois. Un choix surprenant et audacieux alors que le marché est aujourd'hui, on le sait, écrasé par des géants qui répondent au nom de Netflix, Amazon, Disney. Guillaume Sampic de Reworld Media nous explique comment il compte faire une place à Guerre et Histoire TV face à ces mastodontes. Les plateformes généralistes, on va les appeler comme ça, c'est super pour toute la famille. Mais les vrais passionnés, ils veulent des choses très très pointues. On sort l'intégrale de l'épopée napoléonienne avec la voix d'André Dussolier. Là, c'est une série documentaire vraiment d'exception. Bon, je suis pas sûr qu'on puisse la trouver ailleurs, j'en suis même sûr. Ça s'adresse vraiment à des populations qui sont peut-être limitées en termes de quantité, mais qui sont particulièrement assidues et au fait ces histoires de guerre notamment. Et nous, on a cette chance d'avoir des marques médias assez fortes, avec des lecteurs assidus, et donc on a cette capacité de pousser ces nouveaux médias, et notamment cette plateforme SVOD, auprès de nos lecteurs déjà, et de nos internautes. Donc ce qui réduit déjà considérablement le coût marketing. Et puis encore une fois, on s'adresse, et notamment sur Guerre Histoire, à des vrais passionnés, les lecteurs de Guerre Histoire. C'est des gens qui collectionnent les guerres histoires. Ils sont constitués des bibliothèques. Par contre, c'est des gens ultra pointus. Donc, on peut pas leur proposer n'importe quoi en termes de documentaire sur la SVOD. Et à partir du moment où on arrive à apporter quelque chose de qualité et supplémentaire par rapport au magazine, il y a de fortes chances que ça intéresse notamment cette base de lecteurs. Habil. Et Reworld ne va pas s'arrêter là. Deux autres offres de vidéos spécialisées vont voir le jour le mois prochain. Nous deux TV et Téléstar